bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite pêche différente. On est sur un tout petit ruisseau, petite pêche à la truite, ça va être super sympa. En tout cas, elles annoncent une belle journée. Ce petit ruisseau, il est magnifique, c'est très très sauvage et il y a de très belles truites qui s'y cachent avec des super couleurs. Donc j'espère avoir le plaisir de vous montrer quelques jolis poissons qui se trouvent ici. Donc on est parti pour une petite pêche de journée. Ça va être une pêche avec des petits lordures. Et c'est parti, on va voir ce que nous réserve cette magnifique journée. Let's go! Les gars, ça fait plaisir. Il y a une belle petite truite au filet. Super attaque. Je vais vous faire voir ça plus près. Petit arc-en-ciel cette fois. Je pense que c'est les truites qu'ils ont dû lâcher il n'y a pas très très longtemps. Super truite. Allez, on va la remettre à l'eau. Oh,
Encore une belle fario prise sur le petit lordure. Quelle couleur incroyable. Super couleur. Magnifique. Super. Les gars, encore une super fario. Des couleurs de dingue. Bon, je la remets à l'eau parce qu'elle bouge trop, les gars. Yo, les gars. Alors voilà, bah, cette petite session truite, elle est terminée. Franchement, bien sympa. En plus, je termine avec un super soleil, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est vraiment super. Des poissons magnifiques. Des couleurs, mais incroyables, franchement. Prendre des truites comme ça, c'est un pur bonheur. Et ça fait plaisir de voir qu'il y a encore des poissons comme ça qui traînent pas si loin que ça de Paris. Donc ça fait vraiment plaisir. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de sauvegarder au maximum ce genre de poisson et ce genre de cours d'eau. Et le no-kill, dans ces conditions, il prend vraiment tout son sens. Je voulais vous parler du matos que j'ai utilisé, puisque vous êtes plusieurs à me demander encore des petites astuces, des trucs sur AliExpress, etc. Donc je m'étais dit pourquoi pas venir pêcher avec du matériel que j'ai acheté sur un site comme AliExpress. Alors cette fois, j'ai pas pris AliExpress, cette fois j'ai pris Banggood. De toute manière, vous aurez tous les liens dans la description. Et donc, j'ai acheté sur ce site la canne plus le moulinet. Le petit leurre avec lequel j'ai pêché depuis ce matin, ce petit crankbait, qui d'ailleurs a très bien fonctionné aujourd'hui et que vous retrouvez chez Decathlon. Donc un leurre vraiment pas cher, très très accessible. Cette canne, bah écoutez, ce que j'en pense, c'est qu'elle est vraiment très très bien. Elle est très légère, comme vous pouvez le voir, franchement, et en plus elle est bien équilibrée. C'est une canne qui est vendue à 34 € et le moulinet, il est à 15 €. Donc pour 50 €, vous avez cet ensemble là. Franchement, c'est vraiment pas cher. Et bah vous l'avez vu, hein, ça fait largement le taf pour prendre des belles truites. Vous fatiguez pas. C'est une canne qui fait 1m98. Donc pour la pêche du leurre, je trouve que c'est un bon compromis. Et franchement, vous avez des bonnes sensations. Et le moulinet, ben, zéro problème. En plus, le petit plus, c'est que vous pouvez le dévisser ici. Hop, et il se met en position fermée. Vous avez juste à le réengager et votre moulinet est en position de pêche. Ceux qui veulent tester ce produit, je vous laisse les liens dans la description, n'hésitez pas. J'espère que cette petite vidéo elle vous aura plu. Ça change un petit peu de la pêche de la carpe, mais comme je l'ai toujours dit, moi je pratique vraiment toutes les pêches. J'aime pas me consacrer à un seul poisson, et en plus le fait de pêcher plusieurs espèces de poissons, ça vous rend vraiment meilleur dans votre pêche, puisque vous comprenez beaucoup mieux votre environnement et ça développe vraiment votre sens de l'eau. Donc c'est vraiment ce que je conseille à des gens qui débutent dans la pêche. Ne vous consacrez pas sur un type de poisson ni sur un type de pêche. Exploitez au maximum tous les environnements et pêchez n'importe quel poisson. C'est ça qui va vous faire vraiment progresser et mieux comprendre le comportement des poissons. Donc les frérots, moi je vous laisse. Je vais rentrer chez moi. Je vais préparer mes valises, puisque dans 5 jours je prends l'avion, je pars en Finlande pour pêcher le brochet avec mon père pendant une semaine. Je pars également avec un super pote à moi, Ronan. Donc on va essayer de vous faire de belles images. On espère que la pêche elle va être bonne.
On croise les doigts, les gars. Et puis, bah écoutez, d'ici là, gardez la pêche. Comme d'habitude, on reste fort, on reste focus sur ses objectifs. On affronte les problèmes dans la vie. Et je vous dis à la prochaine. Let's go!